Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4 VOA Creole dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Il y a un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble quelques grands points cap dominé actualité concernant le pays d'Haïti. Il a annoncé démission à tout retrait prochainement gouvernement l'a dirigé après une réunion d'urgence CARICOM dans Kingston, Jamaïque. CARICOM a annoncé formation un conseil présidentiel transition 7 membres dans environ 48 heures dans l'idée pour mettre sous pied un nouveau gouvernement dans le pays d'Haïti. Et puis coalition parti Réveil National Guy Philippe et Petite Dessaline Moïse Jean-Charles rejeté annonce formation conseil présidentiel CARICOM. Et puis ministère Affaires étrangères Kenya annoncé pays a décidé camper sous projet pour envoyer policiers dans le pays d'Haïti. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer go nouvelle là depuis hier soir. Tard hier soir, c'est Premier ministre haïtien Ariel Henry qui a annoncé non seulement démission, mais retrait prochainement gouvernement l'a dirigé après une réunion d'urgence CARICOM fait dans Kingston, Jamaïque. Nous avons sous place envoyé spécial nous, Valérie Saint-Louis, qui va le dire nous plus. VOA Creole toujours dans Kingston, capitale pays Jamaïque, côté que hier lundi 11 mars 2024 ça, et ben représentant pays membre CARICOM yo, t'est réuni en urgence ensemble avec partenaires internationaux qui c'est pays Brésil, pays Canada, pays la France, Mexique, Nations Unies et États-Unis pour discuter sous crise multidimensionnelle ça qui persistait en Haïti. Réunion ça qui t'est déroulée pendant plus que 8 heures de temps dans hôtel ça qui est le Pegasus Hotel dans centre-ville capitale là, t'est gain là-dedans une série de discussions qui t'est inclus et qui t'est facilité par groupe personnalité imminente CARICOM nan. Ensemble avec un paquet d'acteurs tant que parti politique haïtien yo, communauté religieuse, secteur privé, diaspora et société civile là qui yo même t'est participé par vidéoconférence dans réunion ça. Discussion qui t'est fini tan aswe, t'est rivé joindre un arrangement gouvernance transition qui t'a supposé faire route pour une transition pacifique avec un nouveau pouvoir et puis un plan d'action pour être capable de joindre la paix et la sécurité et puis tracer route pour faire élection libre et juste dans le pays d'Haïti. C'était vraiment une réunion à très haut niveau qui était faite comme nous t'étais. Nous t'étais présence par exemple plusieurs gros délégations internationales, secrétaire d'État américain notamment Anthony Blinken et plusieurs autres gros chabrak politiques. N'ap si aller parmi eux diplomate Brian Andrew Nichols qui c'est assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphériques l'ouest là. Barbara Feinstein qui lui-même c'est assistant député secrétaire d'État américain et qui était chita bon côté diplomate Patrick Hubert Gaspard, qui lui-même était directeur des affaires politiques dans la Maison Blanche sous administration président Obama, et il était servi comme ambassadeur pour le pays Afrique du Sud, avec plusieurs autres membres de délégations internationales. Donc, nous avons, et juste pour nous avoir une idée, nous avons, c'est une réunion à haut niveau. Dans le finissement réunion haut niveau, ça, acteurs politiques ont été arrivés d'accord sous création d'un conseil présidentiel. Un conseil présidentiel transition qui a 7 membres la dernière, qui ont le droit pour voter, et 2 membres qui n'ont même pas le droit de vote. 7 membres qui ont le droit de voter, ils pral gagner un représentant dans chaque groupe ça yo. Collectif 21 décembre. Aidé, Red, Lavalas, Montana, Petite Dessaline et secteur privé. Et membres qui n'ont même pas le droit de voter, ils ont pral gagner un représentant par yo, qui a sorti dans la société civile là, et qui ont un membre qui a sorti dans la communauté religieuse. Conseil a lui-même pral exercer autorité présidentielle de façon spécifique pendant la transition. Mais pour faire partie du conseil présidentiel transition, ça, ou pas gen droit gen aucune accusation sous dos ou soit te condamné dans n'importe qui juridiction dans pays ou bien en bas sanction Nations Unies ou bien sanction les États-Unis. Conseil présidentiel transition ça pour choisir rapidement un premier ministre et provisoire et ensemble yo pral gen pour yo nommer un conseil ministre inclusif et puis créer un conseil électoral, un conseil électoral provisoire CEPA pour yo même pour avancer puis à faire élection dans pays. N'ap souligner secrétaire d'État américain lui-même, Anthony Blinken, qui a co-présidé réunion CARICOM ça, a fait déclaration pour dire que c'est le peuple haïtien seulement qui est capable et c'est seulement le peuple haïtien qui a dû décider sur l'avenir. Mais la communauté internationale là capable d'aider et qu'on ça, il a augmenté de 1 million de dollars pour force multinationale là. Ça qui mettait total et aide ça à 3 millions de dollars pour force là. Il a dit tout que les États-Unis a bâillé un lot 33 millions de dollars pour question humanitaire dans le pays d'Haïti. Bon, côté pas le premier ministre canadien Justin Trudeau qui lui-même est intervenu par téléphone, pour appel téléphone, il a remercié la communauté canadienne
CARICOM nan ak tout lot akteur politik yo. El te di ke Canada pral kontinye supporte peyi d'Haïti. Li remersye tout Premier ministre Ariel Henry. Peyi Meksik li menm ki te pren la parol pandan reyunyon, di ke gen plus pase 43 000 refuje Haïtien ki nan peyi il. E peyi Meksik ap jere e héberge 43 000 refuje Haïtien sa yo. El li di tout ke yap bayo tout support posib e souhaite ke problem migrasyon, eh ben li kapab rezoud avèk nouvo engajman politik akteur Haïtien yo. E finalman, prezident chairman a la tèt peyi CARICOM yo, ki se monsieur Mohamed Ifran Ali, te annonse ke yo te resevoa e yo te pren note de demisyon pou ministre Ariel Henry, ki li menm te bay yon diskou la nation pour te remettre pouvoir pour faciliter une transition. C'est comme ça que réunion ça t'est fini très tard hier soir et nous même VOA que nous t'est sous place. Dans moment là nous toujours Kingston Jamaïque et là mandé tête nous dans moment là côté Premier ministre Ariel Henry. Il est toujours Porto Rico d'après information que nous joignent. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Kingston dans pays Jamaïque. Merci Valerio Saint-Louis qui s'est envoyé spécial nous et n'a pas suivi de très près pour nous tout ce qui a passé dans Jamaïque et dans Porto Rico. T'as cru Valerio Sodil gagner les États-Unis qui étaient très présents dans go réunion ça surtout et avec Anthony Blinken, c'est secrétaire d'État américain et Département d'État fait connaître que États-Unis lui-même lui en contact serré avec Michel Patrick Boisvert qui s'est ministre des Finances et pays d'Haïti et qui sait tout et Premier ministre Haï parce que le Premier ministre Ariel Henry a tap quitté pays c'est lui qui t'a quitté comme Premier ministre Haï. Il dit que lui-même tout lui a essayé faire le maximum pour capable permettre que gon transition qui fait gon passage de pouvoir qui fait selon les normes. Donc on t'a parlé de États-Unis, c'est dans un moment tout dans même réunion d'urgence ça que États-Unis eh ben parler de assistance financière que la bail mission sécurité pour Haïti. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Oui, effectivement Jacqueline et secrétaire d'État américain, t'es profité de moment pour montrer engagement que les États-Unis prennent pour dossier Haïti à des déplacements pour participer dans ce message. Mais tout annonce que le fait dans le moment ça tout et que support il dit États-Unis a continué bail pour force sécurité multinationale ça qui pour aller en Haïti. Il a annoncé que le ministère de la Défense a doublé l'argent que la baille pour force ça. Mais il y a une autre question qui pose tout, parce que jusqu'à présent, depuis lundi, nouvelle qui baille dans les Nations Unies fait qu'on a seulement moins que 11 millions de dollars qui déjà dans le fonds fiduciaire des Nations Unies, ça, alors que le fonds a été dépassé par les États-Unis, déjà annoncé les mêmes, c'est 300 millions de dollars pour bibliothèque que la baille. Et Canada a annoncé la baille tout. Donc, question à poser, qui est comme ça à débloquer pour que force multinationale ça capable aller en Haïti aller des polices nationales là. I'm announcing today that the United States Department of Defense is doubling its approved support for the mission. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé pendant le sommet Jamaïque sur Haïti, le ministère de la Défense a doublé assistance pour mission sécurité multinationale là pour Haïti, sorti 100 millions de dollars pour le passer à 200 millions de dollars. Mission ça a parlé des polices nationales la bataille contre Gangyo qui contrôlait Pifo Capital là. Ça fait un total 300 millions de dollars support États-Unis à Haïti. Numéro 1 département d'État a annoncé tout une assistance humanitaire additionnelle pour peuple haïtien. Sans oublier une autre assistance 33 millions de dollars pour supporter santé, population et sécurité alimentaire. Jusqu'à lundi passé, il y a seulement moins que 11 millions de dollars qui déposaient dans le fonds fiduciaire d'après un porte-parole des Nations Unies. This is a critical point in the history of the Caribbean. The situation in Haiti. Président Guyana, Mohamed Irfan Ali, qui a présidé CARICOM, déclaré que c'est un point critique dans l'histoire caraïbe. La situation du pays d'Haïti a fait pays membre demander action urgente pour qu'on y a un peuple haïtien à souffrir. Il n'est pas capable de satisfaire besoin de base pendant qu'il y a mouru sans pitié. Il y a plus haïtien qui mourit pendant 4 premiers mois 2024 que quantité de monde qui mourit dans la guerre en Ukraine. Bon, il parle pour le ministre jamaïcain Andrew Holness, qui était sous table là, ensemble avec l'État américain Anthony Blinken avec président CARICOM a déclaré: We are deeply distressed that it is already too late for too many who have lost far too much. Situation en Haïti a bien pire mal pour le tourner. Une guerre civile jeudi
c'est une réalité. Pendant ce temps, la classe politique là, avec celui des civils là, pas grand pile temps devant, yo, pour choisir représentant, yo, y a voué dans le conseil présidentiel là. Porte-parole gang Améo, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui t'a déclaré, il pas t'a reconnaître une solution CARICOM pour qu'on réagisse sous dernier développement crise politique là. Souterrain, premier ministre provisoire, Patrick Boisvert, mandé force de l'ordre pour utiliser tout moyen nécessaire pour faire respecter le décret sur l'état d'urgence avec couvre-feu dans le département de l'Ouest là pour limiter les dégâts gang armés capables de commettre. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Oui, il y a une réaction, un peu de réaction qui sortit depuis hier soir. Il y a un parti politique qui est divisé sous mise en place conseil présidentiel 7 membres après annonce démission Premier ministre Ariel Henry. Yves Manuel, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Il a continué expédier affaires courantes jusqu'à ce qu'il désigne un Premier ministre et un gouvernement. Docteur Ariel Ri fait déclaration ça bien tard dans la soirée lundi 11 mars 2024 là. Pour certains dirigeants partis politiques, pour les ministres démissionnaires, c'est une page tournée. Guy Philippe fait qu'on est CARICOM en aucun cas pas qu'à vendre qui est capable diriger peuple haïtien. Décision CARICOM n'a pas décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est qui va venir diriger Haïti. Il n'a aucune légitimité pour lui décider pour nous. C'est nous qui vous décidons. Et seuls gens pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser. L'idée unir l'un bon côté pâle dit qu'il prend acte de démission au gouvernement Ariel Henry. Bon, moi, je pense que son premier ministre qui était doué démissionner depuis le départ au Prince, il n'a pas besoin d'aller faire dans le déshonneur. Pas oublier que unir demander au premier ministre pour le faire un geste patriotique, pour le démissionner, pour le capable de débloquer la crise là. Et ceci depuis à l'approche 7 février 2024. Notez ouais, que le pari réussi dans la mission, il passait plus de 30 mois sous pouvoir, pas grand effet. Notez pensé que le tapis bon, que l'IT organisé des missions, l'IT démissionné pour l'IT organisé aux rencontres avec les forces vives du pays, pour l'IT chercher une phase de transition, mieux. Malheureusement, l'IT choisit faire dans des honneurs, mais nous prenons acte de démission ça et nous espérons à partir de ce moment gagner un nouveau chapitre qui va l'ouvrir. Alors que pour ancien ministre des Travaux publics, Joséis Nader, Dr Ariel Henry, pas doué quitter la communauté internationale là, humilié le constat. Joséis Nader a un gros doute sur la capacité du parti politique haïtien pour jouer en tant tout bon vrai pour mettre campé un conseil présidentiel avec 7 membres. Nous prenons acte de démission, hein, pour nous pas pousser d'où le dire, et puis nous même nous suivre. Ils ont choisi, ils ont bon bagage dans la tête, ils ont pondu. Comme nous tous aimons pouvoir, mais pouvoir, finalement, nous avons un bagage de pouvoir là. N'a pas souligné, parti politique, yo, pas fin météo d'accord sur mise en place conseil présidentiel avec 7 membres. Petite Dessaline, réveil de Guy Philippe avec parti gris, déjà dit au pas dans conseil présidentiel ça. Pourtant, CARICOM t'a rejoint dans 24 heures toute non-personnalité qui peut faire partie de nouvelles estrictes ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Donc, pratiquement, on suspense ou formation, commission, conseil présidentiel, 7 membres. Et puis, l'autre réaction encore concernant la réunion Kingston-Jamaïque, là, Massado Vilme parlé à quelques militants dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince. Démission Ariel Henry n'a pas étonné parce que tout le monde connaît Ariel Henry, c'était un monde qui était démissionnaire. Parce que depuis 7 février 2024, Ariel Henry était déjà pas existé comme chef ou bien comme monde qui n'a pas l'État. Je dis à Ariel Henry, il fait le parler sous forme parce que Blanc a des bagailles par la prégler, il était qui a des bagailles là aux gens pour que lui-même soit capable de bénéficier des plans que lui-même a gagné, qu'il a gagné pour le mettre en branle. Mais je dis à nous-mêmes, l'essentiel, peuple haïtien, et pas qu'on bagaille pas nous ça. Pas oublier, bataille pas nous en nous-mêmes. Moi-même en soi, Original Petro Challenger, c'est son bataille changement système. Changement système, ça sont un maille qui pète dans la chaîne en attendant. Mais toute la chaîne, tout ça qui est bon, nous devons nous retirer pour que Haïti soit capable de rejoindre ça le besoin. Par rapport avec le pays qui est en crise politique, et je ne veux pas dire, il remet des missions, nous-mêmes, nous sommes toujours là. Mais sauf que, nous avons dit, tout le monde qui est là, qui est parti politique, en font table. Le ronde pour nous voir qui est-ce qu'on a qualifié pour nous dire mais qui est-ce qu'on a mis. Comment vous voulez comprendre pour 7 personnes, pour 7 familles pour mettre en débat national pour le conseil, mes amis?
côté là l'état ici pas une comme ça privé tout le monde ça yo nous sont une famille yo gagne madame yo gagne petite je dis à côté là j'ai tout comme ça pour yo pays je dis à nous-mêmes au niveau de Saint-Marc nous-mêmes qui battons dans pays à collectif qui fou volté nous-mêmes dans peu trop challenger populaire nous dit nous-mêmes nous besoin conseil de trois mounes. Nous pas besoin plus que ça avec un premier ministre pour nous capable diriger pays. Je dis à prêt pour me dire les États-Unis s'il t'a voulu prendre un monde tant pour crédit flopette pays là faut y aller pour de cassation. Pas oublier tout leader politique qui a bataillé là, tout a bataillé pour seul bagaille. Pour directeur général, pour premier ministre, pour président. Je dis à n'a pas de pressé, faut y aller pour de cassation pour prendre un monde honnête, un monde créatif pour la population. Je dis à m'a caché dit, grand pile monde là où est cap bataille qui dit faut qu'il y aller, faut qu'il aille tomber, c'est des poissons. Voilà, c'était quelques militants, quelques monde sous zone Saint-Marc là que correspondant nous Massado Vilme était parlé à Kyo et ont réagi sous réunion Kingston Jamaïque là. Pour un pile monde et annonce que premier ministre Ariel Henry fait hier soir, et ben tant qu'on tournant dans histoire politique et pays d'Haïti et Sandra Lemaire pour essayer ouais avec nous Ariel Henry avec expérience politique ça que le faire qui pratiquement arrivé n'en fait. La Maison Blanche exprimait satisfaction li ak rencontre qui était déroulée dans la Jamaïque lundi. Jake Sullivan, c'est conseiller la Maison Blanche sous affaire qui gagne rapport à sécurité nationale. Mais ultimately decisions about Haiti should be made by the Haitian people. That's why we support. Dit c'est peuple haïtien qui doit prendre décision par rapport à peuple haïtien. C'est pour ça nous t'ai appuyé aux rencontres dans pays Jamaïque que partie prenante haïtienne t'ai dirigé. C'est pas États-Unis qui t'ai dirigé. C'est pas nous-mêmes qui dicté ça qui est passé. C'est pas nous pour décider qui est-ce qui doit diriger Haïti. C'est peuple haïtien qui doit décider. Nous fiers appuyer l'effort qui t'ai déroulé hier. Et là, nous gardons démission Premier ministre Henry. Pas un bagaille États-Unis exige le fait, mais c'est lui-même qui prend décision. Hein? C'est un bagaille nous appuyer parce que lui prend en considération puis bon intérêt pays d'Haïti à intérêt peuple haïtien. And seeing what Prime Minister Henry did, not because of a U.S. diktat, a decision he made, is something we support because we think it does take into account the best interests of Haiti and the Haitian people. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Bon, on est capable de voir que ces positions, les États-Unis, concernant crise là, concernant démission pour le ministre Ariel Henry, et tant que nous te dit, dans le programme là, les États-Unis étaient en contact serré avec Michel Patrick Boisvert, qui lui-même c'est ministre finance, et qui a joué le rôle ministre, premier ministre AI, pendant que premier ministre Ariel Henry trouvait le à l'étranger. L'autre point dans l'actualité concernant toujours le pays d'Haïti, représentant deux structures politiques dans le département nord-est là, réagit après dernière recommandation CARICOM. Jodley Junior Seville, gain détail depuis Fort Liberté. Dans une interview yo bay VOA Creole, jodi mardi 12 mars 2024 là, coordonnateur des instructions politiques dans département nord-est là, voyage était bien loin. Dernière recommandation CARICOM fait pour remplacer gouvernement Ariel Henry. Pour Dionel Germain, coordonnateur initiative Patriote Marien, recommandation ça, c'est en façon pour renforcer ça le système basé sur CA. Mais une fois encore, international là, particulièrement les États-Unis d'Amérique, descend pantalon. Par contre, international là, particulièrement les États-Unis d'Amérique, mettez CARICOM devant pour copier forme nous té a fait des marches là, mais là regarder dans fond, c'est un autre bagaille qu'a fait pour continuer renforcer système basé sur CA pour qu'il y ait des statu quo au détriment des peuples haïtiens, c'est ça qu'a fait là. Pour Aldec Maslin, coordonnateur nord-est parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, dernière décision CARICOM nan vient mettre plus division dans mitan haïtien. Parce que imagine-toi bien, les acteurs politiques comment comprendre qu'on son peuple souverain et puis pour ces CARICOM qui a dit que venir ensemble avec ça qu'on gagne comme proposition. Et puis tout n'est que prolongé vrai que accepté. Mes amis, là nous connaît que comment nous-mêmes petit peuple noir ça, yo simen poivre grand monde longtemps connaît ça, ça veut dire poivre. Et yo simen poivre dans mitan nous. Et bien qu'on y a là pour dire mon comme ça que on va installer un conseil présidentiel qui a gagné et 7 membres là-dedans. Poser aux questions qui l'autre alternative yo gagné pour résoudre crise là, yon après l'autre, yo te répondre comme ça. Et je pense que jodi an, il est plus que important
pour que nous reconnaissions que la crise là son crise haïtienne que liée, l'important que c'est pour ces haïtiens qui résolvent. Et bien proposition pour nous faire avec pour mettre bout avec crise là, il pas venir avec déjà au côté que pour toute force vive nation en chita pour nous joindre une solution à l'haïtienne sans que nous pas quitter personne de côté pour toute haïtien chita sur une table à l'exception des gangs avec trafiquants de drogue. Mounsa yo a nous dit place à yo, c'est dans la prison ou bien dans le cimetière qu'il y a. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Et puis, réaction continue à tomber sous situation pays d'Haïti, notamment gagné une crise humanitaire qui attire attention et organisation mondiale. On a parlé de Nations Unies. Gentil Augustin Junior, subdo ses abonnés. Haïti besoin une réponse humanitaire solide. D'après directeur programme alimentaire mondial pour Haïti, jodi mardi 12 mars 2024 là, nan yon appel vidéo à quelques journalistes qui étaient rassemblés dans quartier général Nations Unies États-Unis. Crise critique à sécurité ça a transformé nan yon crise humanitaire. Mais li c'est tout yon crise n'ap goumen pour vivre. Problème insécurité qui la cause en pile province déconnectée à capitale là, avion pas ka voler. Port maritime yo pa ka fonctionné, la gay population haïtienne nan yon gros crise humanitaire. Côté prix produits premier nécessité yo a monté pied bois. Prix manger yo a augmenté, revenu yo a diminué et puis en même temps population a déplacé. Ça vient aggraver vulnérabilité qui était déjà existé. Donc ça concerne en pile. Jean-Martin Bauer, directeur programme humanitaire mondial pour Haïti, te continue pour 10 journalistes. Programme humanitaire en Haïti yo pas gain en pile financement. Plan réponse humanitaire Nations Unies pour Haïti, c'est seulement 2%. C'est pas un hasard, c'est 2% financement yé jodi a. Nous besoin plus ressources pour rétablir stabilité, pour porter quelque espoir en Haïti. Oui, nous besoin sécurité, mais nous besoin tout une réponse humanitaire solide. Boa te fait demande li, yon jou après secrétaire d'État américain Anthony Blinken, te dit les États-Unis pral contribuer à yon lot 100 millions de dollars National Nations Unies a pillé pour aider police haïtienne yon goumen contre gang armé yo ensemble à 33 millions de dollars dans aide humanitaire. Pendant que hier lundi 11 mars 2024 là dans Aswe, premier ministre haïtien Ariel Henry t'a annoncé l'a démissionné yon fois que yon conseil transition temporaire nommé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et tant que nous capables, c'est une situation très spéciale côté que programme nous gagne un focus sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou bien concerné pays d'Haïti. C'est comme ça ministère relations extérieures pays Kenya dit pays li campé sous projet de déploiement policier en Haïti. Serge Rodriguez gagne un détail. Yon gros responsable dans le ministère Affaires étrangères Kenya dit que pays a décidé de suspendre le projet pour déployer policiers Nations Afrique de l'Est en Haïti, une mission qui était joint soutien Nations Unies. États-Unis réagit immédiatement sous question 1, côté département d'État américain dit qu'il n'y a pas de raison pour Kenya retarder des machines là. Porte-parole du département d'État Matt Miller dit la presse, sans dire peut-être tout retard dans ce sens-là, tabac nos caisses sautées, mais nous pas penser que le retard là nécessaire. Gagne un changement radical après effondrement complet dans l'ordre public, mettez avec démission Premier ministre Ariel Henry, d'après sa secrétaire générale ministère Affaires étrangères Kori Shingoe, déclaré par Agence France-Presse. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, et nous voulons saluer tout le monde qui a suivi nous, quelque soit plateforme, non, pendant que nous avons salué un ami solide, nous, qui c'est Daniel Désir, qui a fêté anniversaire jeudi. Donc nous disons bonne fête, nanon. Service Créole là. Ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre un programme en langue créole haïtien, nous pourrons retourner dans le pays d'Haïti avec Mackinson Charles, lui-même qui a parlé nous dans une situation qui est très particulière, côté que un paquet haïtien qui a essayé d'entrer dans le pays Jamaïque. La parole dit nous plus. Dans une lettre qui est adressée à nouveau conseil municipal intérimaire Jérémien, autorité yo dans ville ont demandé pour recevoir un groupe qui gen la dan 37 moun qui sorti dans département Grand'Anse, garde côte t'est rivé mettez main sou yo pendant yo t'a essayé entrer illégalement dans pays Jamaïque
Et maintenant, yon tourne dans ville Okaï samedi 9 mars 2024 lan, magistrat ville Jérémien, madame Sylmata Pierre, confirmé li recevra moun sa yo dans local commissariat Jérémien pendant li même l'a fait suivi. Nous gen une correspondance qui adressé nous directement qui et dit nous que yo voyé et 37 moun et ben nous et comme moun ki moun grandance qui sorti dans trois communes département qui c'est Chambellan, Dame Marie et Anzeno et trois communes ça qui gagne migrant ça là qui sorti là dedans et bon hier soir nous te recevoir à 10h du soir dans la cour commissariat nous te fait enregistrement pour yo pour nous te voir qui les yo parmi yo gagne cette femme là dedans quelqu'un yo qui parlait dans micro VOA créole expliquer raison qui fait yo trouver yo dans situation ça j'ai pris un sang juste me dépasser par là mais c'est pas lui même qui est même voilà regarder même même carte d'identification on fait l'opé ou pas cajouer depuis 2019 on fait un carte contre prince juste m'a marché d'elle m'a pas cajouer ouais dans toute situation juste nous nous a pillé territoire jamaïcain là c'est la carte que tu prends nous qu'aimer ni bien ay moi pour vous conseiller bon dit mes pendants à nana m'a arrêté parti à timonio même parti de bois balanger m'a pas gain côté pour me rester on n'a pas gain problème même pour me faire commerce pour me travailler timonio manger créer là comme un grand goût bagaille ensemble avec papa ou papa ou pas mon zone là dans toute partie et même je suis obligé on a débattu ensemble avec papa dit mon qui pour faire expérience ça m'a conseillé pour faire parce que il est vraiment dangereux. Pour Johan, ce n'est pas la première fois qu'il fait expérience là. Ok, mais qui ça qui motive pour non seulement prendre la première fois, pour prendre la deuxième fois? Parce que je ne peux pas prendre une série là, je n'ai rien pour faire. Et si tu as toute journée, même je ne peux pas faire un fil de salaire. Si tu as des gars, je peux retirer le col en fil de salaire ou pour le bocor. Côté de jeune âge, nous payons quand tu es ça. Nous ne pouvons pas payer quand tu es non. Nous mettons 6 mois et nous gagnons ensemble et puis nous achetons gaz et puis. Nous mettons voile et nous allons côté là, mais à la gueule, nous arrivons. Bon, il y a un dit dans le pays, il n'y a pas de prendre tout. Mais si tu es capable de prendre tête, on finit. Oui. Si nous avons un travail, nous venons apprécier pour nous travailler. Mais nous avons un travail, nous avons un bon temps. Nous n'avons pas de monde qui nous fait pour nous. Bon, même pas de passeport, nous avons un bon passeport, passeport 20 000 dollars, 15 000 dollars. Pour toi, je ne comme ça. Nous finissons tout en avance. N'a pas rappelé, Haïti fait partie d'un pays qui bénéficie du programme humanitaire parole, gouvernement américain mettait sous pied dans l'idée pour capable réduire la quantité de monde qui a entré illégal dans le pays États-Unis. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Creole. Et Mackinson Charles, hier nous avons eu un reportage de Jean-Ernst Eliska depuis Okaï, toujours sous le même dossier. Donc, nous avons vu que c'est un programme qui focus sur le pays d'Haïti, surtout après l'annonce que le Premier ministre Ariel Henry fait pour dire que l'annonce que l'a démissionné et le gouvernement tout et très prochainement a bien pour le l'école. On extrait de déclaration ça, surtout sous annonce démissionnant. Gouvernement a dirigé après le conseil des ministres à Souéa. Accepter pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Même conseil ça yo pral choisi après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Gouvernement que m'a dirigé a retiré colle immédiatement après installation conseil ça. Il a continué expédier affaires courantes yo jusqu'à ce que yo désigné yon premier ministre et yon gouvernement. Donc c'était premier ministre Ariel Henry nan yon adresse pré-enregistrée qui passait hier soir bien tard. Bonjour, bonsoir toute la famille, amis internautes qui connectent mes sacs nouvelles. Un moment plaisir, qui est content pour nous entrer la caille, nous notre travail dans le business, non? Et quel que soit côté nous avec tranche nouvelle, ça sur mes sacs nouvelles, j'ai toujours dit, c'est pour grâce avec confrère et puis conseil de la voix de l'Amérique pour jeudi, hein? J'ai toujours demandé nous ça, ou même pour regarder tranche nouvelle, ça pour capable de like, partager, dans les commentaires et soit peine tomber sous channel, ça, abonner avec lui pour nous capable de grandir communauté, mes sacs nouvelles, non? On va commencer avec ça pour nous comme information, bien que vraiment, en plus, monde déjà
déjà connaît déjà, c'est PM Ariel Henry alors qui annonçait que mais pouvoir la calgré mettre démission après que yo fin participer dans conseil ministre à ce qui était lundi 11 mars 2024 là. Ariel Henry dit que il prend décision ça avec ensemble de ministres qui dans gouvernement là après que yo fin constater ça qu'a passé en pays depuis 29 février côté que situation vient très compliquée, moun a mouri, commissaire a crasé, moun a mouri, business moun a boulé, et ben boîte l'état pillé, mais li juge que je dis à gens te dit pas aucun sacrifice qui trop grand pour que li capable remettre démission. Mais il dit que c'est pas au conseil présidentiel qui pral mener ba payant, mais en attendant que conseil présidentiel ça lui-même rivé installé, gouvernement que l'a dirigé a continué liquider affaire courante et une fois que conseil l'a installé, il a retiré quoi honnête, noté payant ses paroles Ariel Henry lui-même adresse ça à travers une petite vidéo que lui-même littéral public a soué lundi qui était 11 mars 2000 24 ans, et l'a dit que l'Ivini, après que Chita a été fait dans le pays Jamaïque, côté délégation CARICOM avec diverses autorités, il a décidé de parler dans le pays Jamaïque sur question qui est pour avec, mais causer Ariel Henry et situation qui a passé en dedans pays là. Mais l'a dit clairement que situation ça, c'est suite avec ça qui vient là, mais qui fait que Ariel Henry lui-même, il prend démission comme ça doit en dedans en pays ça. N'a dit tout, mais après que CARICOM ensemble avec ensemble de acteurs Sayo, yo tombé d'accord pour que gen un conseil présidentiel 7 membres qui prend tel payant, mais gen un ensemble de critères, gen un ensemble de conditions que yo exige pour que 7 moun sa qui peuvent faire partie conseil là que yo doit respecter. Et parmi critères Sayo d'abord, forcément un monde qui pas gen sanction internationale qui tombe sous dol ou dis-moi sanction que payant mais autorité dans l'état te bay moun sa, en mette sous sa tout, faut que c'est un moun tout qui pas jamais condamné dans question en Haïti ou dimanche à l'étranger, en même temps tout, faut que c'est un moun qui capable d'accord que vous adhérez avec arrivé mission multinationale ça dans pays et d'Haïti, selon ça qui dit ensemble de critères que yon dit dans cadre mission, dans cadre mais décision qui prend pour que conseil ça lui-même est capable de mener et bak pays. En même temps tout, conseil ça qui a bien 7 membres là-dedans, a gagné 5 moun qui gen droit. On dit droit pour voter la donne et a bien deux qui va bien droit en termes de décision, en termes de pouvoir en dedans, membre conseil et présidentiel, c'est même ça. Mais jusqu'à présent, on a dit qu'après décision carré comme non, gagné un sénateur élu département grand d'Espéa Guy Philippe qui dit que l'Ivo est jeté décision CARICOM ensemble avec un petit clic acteur dans la classe politique là qui parlait de au conseil présidentiel sept membres dans tête payant. Selon Guy Philippe, il dit que ça pour que jamais décision peuple haïtien parce que peuple haïtien pas dans question dictée CARICOM qui a parlé de sept membres qui vont faire partie, ça n'est le conseil présidentiel ça pour mener et bac pays. Mais l'idée ça Guy Philippe dit clairement que bataille, mobilisation, ça, encore avec question révolution qu'elle a parlé, hein, la rapoussible avec lui, jusqu'à ce que, eh bien, yo clair, yo délivre pays ça, et yo retire pays ça en bas griffe internationale, hein, yo crasse système ça, et yo faut rejeter l'Occident qui va suspendre, imposer ça, les propres loyaux, ça ouvre en dedans pays. Hein. En même temps, tout dans question, et mes conseils, c'est même ça, mais acteurs haïtiens, yo qui prennent gagner droit pour voyer, mais représentant yo comme membre dans conseil présidentiel ça yo ke 48 temps pour yo capable proposer non moun sa yo et pour finalement que yo capable rive installer mais membre conseil sa yo. Mais jusqu'à présent là question qu'a posé, est-ce que pendant 48 temps ça acteur nou yo pral rive tomber d'accord sous ensemble ensemble de moun que pral voye comme représentant yo pour al faire partie conseil présidentiel ça, ou dis moi est-ce que pral permettre que Geta qui a passé toujours, je pourrais être capable de river soumettre non ça yo. Bien que y ait un ensemble de citoyens dans la société, hein, même j'avais un ensemble d'acteurs politiques qui ont même tout rejeté question conseil présidentiel qui a parlé là. Et je crois que c'est exactement, c'est un conseil présidentiel
trois membres qui pour permettre qui pour monter et qui permettre que yo river garder comment capable résoudre ça qui a passé en dedans pays hein. Selon ça même yo fait est qu'on est et n'a dit réaction après possible divers côtés en dedans pays hein, jusqu'à ce que yo river résoudre problème qui vient là et conseil ça quoi pour obligation tabli sécurité en dedans pays hein, et permettre que organiser élection et moun kapral voter et pral choisi moun ki pou dirige pays d'Haïti selon ça qui dit en dedans comme mission attribution conseil ça qui arrivé mette et campéan n'a dit gagné là si n'a de question ba Kenya n'a dit que autorité kenyan yo yo pas envisager voyer force en Haïti tant que yo dit pas gè san relé yo gouvernement qui formé après que PM Ariel Henry annoncé que li gen intention pour démissionner et c'est ça New York Times li même li révélé après-midi mardi qui c'est exactement 12 mars 2024 là pour kounya Kenya mette posé vont t'y poser avec question déploiement police Kenya en Haïti selon journal là n'a noté que obligation ça fait à toute structure et mais qui ont même accepté pour intégrer conseil présidentiel pour adhérer avec la question résolution l'ONU pour déploiement force multinationale ça qui donc Kenya dit la proposer avec arrivé mais soldats mais officiers kenyan yo mais qui qui dit est-ce que situation qui est là en dedans pays hein, est-ce que là libre permettre que yo consigné résoudre problème ça mais est-ce que tout question bandi armé nek armé yo yo pa continuer à imposer propre yo en dedans pays là qu'une connait jodi an situation bien là ça gè la comme insécurité ça gè la comme violence en dedans pays an li clair mais nek exam yo yo c'est une na partie qui traite que responsable nan question insécurité an et c'est eux même encore en soi qui décidé pour être capable bloquer ça n'est les Ariel Henry dans pays et on dit à l'étranger puisque Ariel Henry lui-même n'est pas capable de rentrer en Haïti malgré plusieurs tentatives qu'il a fait malheureusement qu'il pas rentrer dans pays et jusqu'à ce qu'il est obligé de mettre démission là l'équipe n'a rappelé tout gain Jimmy Cherizier qui s'est pas parole on dit Genève en famille et aller en même temps tout qui s'est pas parole monsieur Vivant Samyo mais barbecue qui clairement dit que mais yo même yo clair pour dire que pas gain question que CARICOM pral vinn imposer yo gouvernement et c'est yo même qui pral exactement avec peuple haïtien qui pral décider et qui pral choisir qui est-ce qui pou vinn diriger yo et qui est-ce qui t'a diriger sur ça qui te dit bon côté Jimmy Cherizier dit barbecue est-ce que ça te dit après arriver respecter est-ce que c'était aux paroles en l'air est-ce que Jean est armé au te dit là bataille que maintenant son bataille pour que yo jeté Ariel Henry puis écraser système qui est là et pour faire ensemble de l'autre action jusqu'à présent il était pour nous suivre il était pour nous garder ça va passer dans les qui venir là yo dans minute qui venir là yo et dans seconde qui venir là yo même Jean en pile haïtien dans diaspora yo clairement critiqué mais on dit ensemble de acteurs haïtiens qui quittaient jusqu'à présent, c'est international hein, qui a décidé pour nous et qui a décidé pour Haïti. Selon ça, même, il faut qu'on ait. N'a pas de question crise alimentaire en haïtien qui menace je ne jodi an sur le programme alimentaire mondial qui lance un appel pour presser pour joindre on s'en les bailler des fonds pour capable porter support ba population haïtienne non pour battre contre question grand point dans pays an programme alimentaire mondial indique que yo bay plus que 35 000 plats manger chaud chaque jour pour monde qui en nécessité yo et pour kounya situation vin difficile plus passer 300 000 moun obligé déplacer à cause action gang yo et gon grand goût dans pays an selon ça qui dit monsieur le programme alimentaire mondial Haïti a fait face avec une crise alimentaire côté que je dis qui tellement exagéré et qui avait 1.4 million haïtiens qui je dis à vivre dans grand goût et objectif programme alimentaire mondial c'est arriver à atteindre 2.4 million monde en 2024 à travers annulé programme aide urgentio selon ça qui dit bon côté responsable dans niveau et programme alimentaire mondial qui yo même parlé et sous de ces situations grand goût misère qui passe en Haïti
Kenyan, mais il dit clairement que situation ça li vini suite avec li vini augmenté avec bataille gang armé yo nan pays d'Haïti et nécessaire mandé avec autorité concernée yo pour que yo dégage comme Jean-Jacques pour yo prendre toute disposition pour permettre que yo capable résoudre problème qui gen la question insécurité. Nan quatre mémoire quoi CARICOM voyé yon city qui participé nan rencontre journée lundi 4 et 11 mars nan yo fait connait que conseil transition ça a formé avec 7 membres qui pral désiré par ensemble entité ça yo des collectifs 30 janvier qui pral voyer un monde dans conseil là a gagné tout équipe à commenter dans ca voyer un monde à 21 décembre Ariel Henry té lui même té avec ensemble d'acteurs à voyer un monde aider et red et puis parti petit des salines et secteur privé affaires haïtien à voyer monde et selon document rassemblement pour une entente internationale souveraine rein et diaspora yo même tout qu'a présenté dans qualité observateur et résumé CARICOM n'a apporté changement avec sa qui pour avec représentation désormais la Valas qui même pas associé avec Montana et plus que 7 membres et ça a siégé après deux observateurs et a gagné au total ça a fait au total 9 monde selon ça qui dit dans cadre document ça voilà monsieur dans point ça a divers l'auteur qu'elle fait essentiel notre tranche nouvelle ça soumet cette nouvelle j'ai toujours dit c'est pour grâce avec confrère puis concerne yo la voix d'Amérique déjà bonne écoute tout le monde.